Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve sur Phasmophobia en solo. Alors j'ai très très peur, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en solo pour voir. Mais j'ai peur d'appuyer sur jouer les copains. Ce jeu fait extrêmement peur, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, pardon. C'est un jeu donc d'horreur où on va devoir chasser des fantômes, des esprits, tout ça, tout ça. Le jeu reconnaît notre voix, donc il va falloir poser des questions aux fantômes, il va répondre. Et tout ça. Et bah c'est parti, hein? Pourquoi faire? Pourquoi je fais ça? Bah, je me crée une partie privée. Hein. Je pense que toute seule, c'est très bien. Hein. Sélectionner un travail. On va non, certainement pas aller dans un grand truc. Dans l'asile, surtout pas. L'asile, il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs. Je pense que ça vous plairait en multi. Hop. Taille recommandée 2. Une maison de 2 étages, 4 chambres avec un sous-sol. Ouais. Il semble qu'un fantôme dangereux, d'accord. Il me faut le thermomètre. Bon. Ah, autant vous dire que... Ah, faut que j'en achète, hein, par contre. Thermomètre que j'ai pas. Bah écoutez, acheter. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Ouais, bah non, j'en ai pas besoin de deux. Bon, dans le doute, je prends tout. Non, je prends pas tout parce que je vais peut-être crever. Non, 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 non. Hop, normalement, on en a un. L'appareil photo, on en a un quand on est tout seul. Spirit box, on en a une. Lampe de poche puissante, je la prends, je sais jamais. Capteur de mouvement, on peut faire ça. Thermomètre. Allez, prêt. Eh ben écoutez, c'est parti les amis. Alors. Ouais, d'accord, trouver des preuves avec un lecteur. Prenez une photo du fantôme, nettoyez la zone, un bâton d'encens, j'en ai pas de toute façon. J'ai fait quelques recherches supplémentaires pour vous. On dirait que le nom du fantôme est Charles Anderson. Ok. Ouais, bah ça tombe bien, je suis seule. Charles Anderson, là, je sais pas quoi. Charles. Hop. Non! Alors attendez, je vais prendre ça. Hop. On va prendre ça. On allume la lampe. Et on est parti. J'ai tellement peur, les amis. Ça va être compliqué. J'ai peur que ça soit compliqué. Ah non, bah oui, il faut prendre la clé. D'habitude, c'est quelqu'un qui la prend. Mais là, je suis toute seule. Je sais pas ce qui me prend de vous faire cette vidéo-là. Je vous dis, j'ai très peur. Je vais sûrement hurler, hein. À moins qu'il soit cool, mais ça m'étonnerait. Hein. Allez, quand même. On va pas avoir peur d'un fantôme. Ben non. Ben non, les amis. Ben non, Elton. Soir. Hop. Bonsoir, bonsoir. Lee, enchanté. Hop. En vrai, j'allume, mais pourquoi faire, quoi? Hein? Non, la cave, j'y vais pas. Hors de question. Ah, bah ça va être par là. Oh, il y a une autre clé. C'était par là. Dans les toilettes? Ah, attendez, j'ai pris quoi là? J'ai pris la spirit box que je pourrais allumer, jeter au sol. Je vais aller chercher des. Comment? Des trucs. Aïe aïe aïe, ça commence déjà à me faire flipper donc. Mais bon. Mais bon, mais bon. On est courageux, on est courageux. Hop. Je vais aller chercher l'appareil photo, les amis. Sait-on jamais, mais... il me faudrait peut-être aussi le livre, c'est ça le problème. Ouais, franchement, je vais prendre le livre. Hein. Je peux le prendre et faire la lumière, ouais. Ok. Bon. Moi, ce qui me fait flipper dans ce genre de truc, c'est les escaliers, là, vous voyez? Hop, on va essayer de poser ça là. Voilà, et à la limite, je vais prendre l'appareil photo, comme ça j'ai tout ce qu'il faut. On sent la tension ou pas du tout? Oui, hein. Non, mais bon. Non, mais bon, quoi. Alors, de toute façon, à la limite, j'ai ça aussi. Hop, on va prendre ça.
D'habitude, c'est pas moi qui le fais, ça, mais... J'ai cru voir la lumière s'éteindre. Non, j'ai rêvé. Ouais, non, j'ai pas rêvé. Ok, 18 degrés, 19, 16, 17, 16. Ah, il a parlé. Spirit Box. Ah, il est là, hein. C'est ce que je vous dis, hein. Ok. C'est pas glacial. C'est pas chaud, mais c'est pas glacial. Je vais fermer ça. J'aime pas quand les portes sont ouvertes, voilà. Ça m'évitera de trop flipper. Et donc, c'était par là, quoi. Alors, on a eu quoi? On a eu Spirit Box déjà. Hello? J'ai pas envie de vous parler. On a eu. C'est où déjà? Là. Après, froid, c'est pas glacial, c'est dommage. Spirit Box. Pour l'instant, c'est tout. Esprit, spectre, je crois que tout le monde répond quasi à la Spirit Box. Il a dit mort. Pouvez-vous écrire? Attends. Faudrait pas que mon chien me fasse peur non plus. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que... Ouais, je peux prendre... Ah non, maintenant j'ai encore le... Ça là. À la limite, ouais, faudrait que je trouve une température un peu plus glaciale que ça, sinon c'est que c'est pas glacial, c'est tout. 16, 18, ouais, c'est pas transcendant, quoi. Non. Hello? Bon, on va dire que non, hein. Je flippe. Ah, ça change tout, hein, tout seul, hein. Ça, faut que je le garde, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est le thermomètre. Pour l'instant, j'en ai rien à faire. Je vais prendre ça. Caméra, ça sert à rien parce que je sais pas où poser. Je sais pas trop où la poser. Parce que, attendez, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait au moins, ouais. Caméra, quoique. Peut-être la poser. Attendez. Caméra, je peux peut-être la poser. Comment? Ah, les lumières qui s'éteignent, c'est beau ça? Peut-être dans la cuisine alors. Peut-être dans la cuisine. Comme ça. Attendez. Non, j'aimerais bien, à la limite. Son chien t'a posé, hein. Ouais. Comme ça. Bon, elle tremble un peu ma caméra, j'espère que ça va aller. Ça. Et du coup, je prends l'appareil photo. Ouais. Mais en fait, ce qui est un peu embêtant quand on est tout seul, c'est qu'il va nous focus, quoi. Donc, je risque de décéder assez rapidement. Ok. Ouais, elle tremble la caméra. Non! Pourquoi? Bon, c'est surtout pour voir s'il y a une orbe ou quoi, mais... Je peux pas la replacer, quoi. C'est chiant qu'elle tremble. C'est l'évier, ça. Ouais. C'est dans le noir, quoi. Ok. Ah, ça clignote les lumières, non? Ah, c'est dommage qu'elle tremble, mais bon. Bah écoutez. Écoutez, hein, on va essayer de trouver ce que c'est. J'ai pas de sel, de toute façon j'ai rien. Dans tous les cas, il me reste pas grand-chose. Alors, hop. Ça va que c'est pas à l'étage pour l'instant.
Je pense pas, quoi. Là, c'est là, hein. Ah. J'entends de l'eau couler. Hop. Oula, c'est 5 là. Mais c'est ici alors. Attendez. EMF niveau 5 ici. Hop. Très bien. Donc c'est dans la petite pièce. Est-ce que je peux prendre ça, non? De toute façon, j'ai plus besoin de mon EMF. Hop. On s'en fout. Hop. Hop. Voilà. Maintenant, on va attendre. Celle-là, tu la fermes du coup. Pourquoi j'ai plus de lumière? Ah. Hop, attendez, attendez. On va faire comme ça. Pouvez-vous écrire, s'il vous plaît? Déjà, ouais. Déjà, le mec. Attendez. Je flippe. Ok. Hop, faites voir. Donc, on a quoi? On a ça. Donc, il nous reste Jean, Oni. Oh, si ce sont l'un ou l'autre, je crève. Hein. Jean et Oni, quoi. Alors, Oni. Alors, on va lire un petit peu ce qu'on pourrait trouver comme preuve. Ce sont des cousins des démons. Ils possèdent. Ils deviennent plus actifs autour de leur proie. Force unique, les données. Lorsque les personnes sont à proximité, on a vu les objets en mouvement. Et on a vu des objets en mouvement à grande vitesse. Pour l'instant, non. Être plus actif rendra l'ONI plus facile à trouver et à identifier. Écriture fantomatique. Bah, et voilà, si on n'a pas l'écriture, c'est du coup un djinn. Et djinn. Djinn, c'est quoi? Le djinn est un fantôme territorial qui attaquera lorsqu'il est menacé. Il est également connu pour pouvoir se déplacer à une vitesse significative. Ok. Ok. Si sa victime. Ouais, d'accord. Couper le courant empêchera le djinn d'utiliser sa capacité. Là, si on voit une. Attendez. Hein. Donc, si je coupe le courant, il peut pas m'attaquer le djinn. Il peut tenter. Hein. Enfin, non, il pourra m'attaquer, mais. Ouais, mais ça veut rien dire en vrai. Ça veut strictement rien dire. Ah, oh, il y a un capteur de mouvement qui s'est déclenché. Après, ça tremble aussi. Est-ce qu'il y a une orbe? Attendez, on va éteindre la lumière. De toute façon, si, elle est éclairée, elle éteint. On va regarder cette caméra là. Même si elle tremblote, hein, désolé. Voir si on voit quelque chose, quelqu'un. De toute façon, c'est la salle de bain est là, en fait. Non, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la salle de bain la lampe, la truc. Je peux la prendre là? Ouais. Ok. Je pense que c'est un djinn. Tout reste éclairé pour l'instant. Bah, sauf la salle de bain, quoi. Ok. Donne-moi ça. Ok. Si je la pose là. Attendez. Ouais. Hop. Pose là. Il va me tuer. Il a 10 kills. Ok. Non! J'ai des frissons. Laissez-moi sortir. Regardez ma caméra quand même. Hop. On va regarder ouais, si on voit une orbe ou quelque chose. Ça peut aider. Ok, donc là on voit la porte du couloir quoi. Attention si, parce que s'il est dans la salle de bain ou s'il referme la porte, on le verra. S'il passe dans le couloir, on le voit. Ah, c'est pas faux. Je trouve rien. Il n'y a pas d'orbe. Ça me rassure pas, ça se trouve c'est un ONI. Hein. Mais c'est bizarre, ouais, il n'a pas éteint les lumières. Enfin, il les fait clignoter, mais c'est tout, quoi. Je sais pas comment faire pour qu'il me fasse. Pour qu'il écrive sur le livre, en fait. Je l'ai mis où mon livre, en fait, déjà? Dans la salle de bain. Hein. Ouais, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien, quoi.
Pouvez-vous écrire, s'il vous plaît? On va se mettre là, hein. Tant pis. Si on meurt, on ne peut pas se cacher ici, j'ai l'impression, donc. Êtes-vous ici? Il dit qu'il m'a trouvé. Pouvez-vous écrire? En vrai, il est là, hein. J'ai peur, les copains. Il est trop bien fait, ce jeu, il fait trop peur. Il fait pas clignoter mes lumières, mais il dit attaque, kill. C'est pas terrible, quoi. Ok. C'est possible d'éteindre ça, là? Ça me saoule. Attendez. Merci, ça me gonfle. Voilà. Nope. Okay, excusez-moi. Ah. Ah. J'ai rien, quoi. Par qui joue avec ce pas? Alors attendez. Je vais prendre ça. Arrête avec la porte. Je vais essayer de changer. De remettre ça là, quoi. Voilà. On va essayer de voir s'il y a une orbe ou quelque chose. Non! Il me faut une orbe ou une écriture et je me tire. C'est sûr, hein? Mais bon, il donne rien, quoi. Là, c'est mieux, ça tremble pas au moins. Peut-être qu'on verra quelque chose. Je sais pas trop, ouais, ce que je pourrais faire de plus. Pas beaucoup d'équipement, moi. Il n'y a pas empreinte et tout, de toute façon, donc c'est orbe ou écriture qui nous différencierait des deux. Bon, bah, il y a vraiment, vraiment que dalle. Je sais vraiment pas comment m'en sortir avec celui-ci, mais. Éteindre la lumière. Mais ça changerait quoi? C'est juste que ça l'aide à moins être active, donc non. Parce qu'il est déjà pas beaucoup. Où est-ce que je pourrais allumer là? Hop, ferme-moi ça. Si j'allume, peut-être qu'il sera plus actif. Hello? Il a rouvert le garage? J'espère que c'est pas dans le garage. Ah, il a rallumé l'eau. Stop. Est-ce que vous pouvez écrire, s'il vous plaît? Faites-moi un signe. C'est dur, hein. Après, quand il va attaquer d'un coup, quoi. Le jeu est hyper bien fait. Regardez les reflets et tout, des lampes, des machins. Sympa l'ambiance. Bonsoir. Je retourne dans mes toilettes. Ça se trouve, c'est dans le garage, hein. Ça me rassurerait pas, mais à la limite, ce que je peux faire, c'est ça. Ah, niveau 5 là. Ah, attends. En vrai, non, il est là, hein. Ouais.
Ouais, niveau 5, quoi. Il est bien là, il va bien m'attaquer, quoi. Mais je dirais... Vous savez quoi? Je dirais quand même... Comment? Je dirais quand même Jean, parce qu'il éteint pas les lumières. Et ça, c'est très très rare, je trouve. Ah, bah au moment où je dis ça, si, il a éteint là. Je suis morte quoi. J'arrive pas à poser le livre. Je vais me foutre là. Donc c'est un Oni. C'est un Oni, les gars. Il a éteint quoi. Je le sens pas. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je le sens pas. Je sens qu'on va mourir, j'ai pas envie de mourir. J'ai envie de réussir ma mission. Ok. Je pense qu'on va arrêter. Ouais. Il va me tuer ou il a dit qu'il est tout. Je pense qu'on va arrêter là, les copains. On va voir. C'est dérangeant de pas avoir la dernière preuve, ça me. Mais bon, il veut pas, il veut pas, je peux pas forcer le truc, quoi. On peut regarder un peu le couloir, hein, se faire peur un peu. Hein. Oh, vous avez loupé le livre, il s'est déplacé tout seul. Il était là, il a fait chut. Ok. Est-ce qu'il écrit dessus? Donc déplacement rapide d'objets et tout, c'est avant les attaques et c'est l'ONI. Je l'ai bien vu bouger. Je vais laisser tourner, tant pis, je ferai une grande coupure parce que je parle pas pendant que j'observe. Et s'il se passe des trucs comme ça, vous loupez pas, parce que là vous avez loupé le livre qui s'est déplacé tout seul, quoi. Bon les amis, on va quand même aller une dernière fois dans la maison pour vérifier s'il n'a pas écrit sur le livre. Mais après on se tire. Hein. Je pense que. Alors j'ai validé l'ONI, j'espère que bon, c'est bon. Je regarde s'il a écrit. Elle est bien énervée. Oh, il a redéplacé le livre. Non, il a pas écrit dessus par contre. Ok. Très bien. Bah écoutez, on l'a. On l'a dans le sens où Oni, il déplace les objets très très vite. Mais il avait redéplacé quoi au moment où on part de la caméra. Parce que ça faisait trois fois qu'il le déplace quoi. Deux fois du coup. Regardez, on voit plus le livre. Il l'a pris. Tout à l'heure, il était là. Au début, il était là. Ça fait là. Et là, il l'a pris dans la pièce. Eh ben écoutez, ouais, on valide ça. Et puis ça va être bon pour cet épisode-là, les amis. On regarde si on a gagné. Alors attendez, je relis bien une dernière fois au cas où. Pardon. Hop. Moi, je dirais Oni. Les cousins des démons, hein, il y a des rumeurs selon lesquelles ils deviennent d'accord. Les Oni sont plus actifs sont à proximité et ont vu des objets en mouvement à grande vitesse. Ah, ils sont plus actifs quand on a vu ce qu'ils ont fait. Ok. D'accord. Très bien. Je valide. J'ai validé, hein. Yes. Bah écoutez, on n'aura juste pas la photo du fantôme, mais j'ai pas tellement envie. Donc. Mais ouais, bah, il a pris le livre, hein. Nice. Alors. Qu'est-ce que j'ai? C'était un jean! Que pourquoi faire? Il y a eu aucune orbe, il aimait bien être dans le noir et tout. J'ai pas. Là, non. Là, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui aurait pu me faire dire que c'était un djinn? Oui. Oh, non, mais très bien. Hop. Très bien, on prend des levels. Faites voir mon calepin, là. Je l'ai pas, là. Attendez. Est-ce que j'ai mon calepin quand je suis là? Non, je l'ai pas. Je comprends pas. Mais écoutez, c'est pas grave, en tous les cas, j'ai quand même un petit peu gagné d'argent. On s'est bien fait peur, enfin moi, toute seule, c'est trop stressant, je dirais, pour que je me concentre trop. Donc la prochaine, eh ben, on la fera avec les copains. Je pense qu'on essayera d'aller dans l'asile. Ça pourrait être top. Mais voilà les amis, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Lee et les esprits. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!